Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur TV du cœur, c'est que du bonheur, ou presque. Eh bien oui, aujourd'hui, nous n'avons plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Aujourd'hui encore, cette phrase résonne en nous tous. Elle devrait être oubliée. Mauvais souvenir. Pourtant... Moi je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien. Sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours des grands soirs. Et juste pour l'hiver, à manger et à boire. De nouveau sur TV du cœur, c'est que du bonheur, ou presque. Nous accueillons aujourd'hui notre invité, Toumi Djaïda, bonjour. Bonjour. Vous tentez aujourd'hui, par votre marche, d'exprimer le droit à l'égalité pour tous. Pensez-vous que cela fera réagir. Oui. Jusqu'où iriez-vous? J'irai jusqu'au bout de mes rêves. Thank you.
aller au bout de nos rêves. Finalement, on a réussi, nous aussi. On n'a pas tout, mais... Mais nous avons l'essentiel. J'espère qu'elle arrivera à trouver sa place dans ce monde. J'en ai marre. On a encore insulté ma copine Yasmina dans le bus. Franchement, je rêve d'un autre monde. N'essaye pas de lutter par la violence. Tu sais qu'il y a deux types de personnes. C'est ensemble et sans haine que nous pourrons y arriver. Écoute ta mère. Thank you.
suis fatiguée. Je deviens vieux. Tu te souviens quand on allait danser? C'est loin tout ça. Et quand je serai l'ombre du jeune homme que tu as connu, est-ce que tu m'aimeras encore? Bien sûr que oui, mon chéri. C'est la mienne, hein. Je vais chanter et bien entendu, je vais faire la choré. Hein. Thank you.
J'adore cette chanson. Elle est trop bien. Elle te prend comme ça et tu peux plus t'arrêter de chanter. Vous trouvez pas? Merci. J'ai toujours raison. Je vais vous faire écouter quelque chose. Oh, je rêve d'une chaîne portable où il n'y aurait pas besoin d'appuyer sur un bouton. Plus de fil. Je sais pas si ils y arriveront un jour. Comme le téléphone. Téléphoner en faisant du patin. Ça serait tellement bien. Ça serait le bonheur absolu. Coulait comme de l'eau, un matin j'ai...
sur TV du cœur, c'est que du bonheur, ou presque. Aujourd'hui, un enfant est mort. Ne cherchez pas à savoir qui. C'est un enfant. Il pourrait être le mien, le vôtre, le tien, celui de votre voisin. Il habite partout. Il est ce que nous étions. C'était un enfant. Mais bon sang, que nous soyons blancs, noirs, que notre religion soit celle-ci ou celle d'un autre, cela suffit. Entendez la voix du monde, le rythme des cœurs. Je voulais te dire par rapport à l'autre jour, tu es forte ma chérie, ne te laisse pas démonter par une bande d'imbéciles. Ils connaîtront la différence un jour ou l'autre. J'espère qu'ils seront assez intelligents pour comprendre que la différence est une richesse du monde. Oui, effectivement. Les imbéciles qui vont vous apprendre à résister à la méchanceté gratuite et à avancer malgré tout. Vous avez raison.
bienvenue sur TV du cœur, c'est que du bonheur. Ou presque. Nous accueillons aujourd'hui Monsieur D'Étoile. Bonjour et bienvenue. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots votre entreprise qui a déjà séduit plusieurs pays ? Bonjour et merci de prêter attention à notre entreprise. Par manque de temps, nous voulons aller vite. Nous voulons tout révolutionner et ne plus prendre le temps d'observer, de rêver et d'imaginer. J'ai inventé la première entreprise qui vend du temps. Et comment cela est-il possible ? Un peu d'imagination, une âme d'enfant, des couleurs, des étoiles dans les yeux et de l'espoir à revendre. Mais bien sûr. Faites attention à vous, vous devenez vieux. J'ai un peu peur, tu sais. Tu penses qu'ils sont devenus quoi ? Je ne sais rien. Ah, tu sais jamais rien de toute façon. Quand on te demande un petit compliment, ah, t'es jamais là. Mais quoi ? Ah là, tu veux dire quelque chose ? C'est... Ce soir, je mange pas ici. Tu feras à manger à Steph. Bonne soirée, mon chéri.
C'est la traditionnelle chanson des profs. J'en profite pour les présenter. Sandrine Trinca, du Collège d'Evian. Elisabeth Baratta, du Collège de Boëz. Alain Blanc, du Collège d'Evian. Jean-François Quignoux, du Collège de Villeneuve. Monsieur Châtelain, Collège Michel Servet. Ils n'ont pas changé, ils font toujours la course. Non mais cette année, c'est moi qui gagne à l'applaudimètre. Je suis content. Je sais pas, je suis pas sûr. Même jour, même heure, même poste. On verra quand on aura 30 ans sur les marches de la place des grands hommes. Le jour est venu et moi aussi, mais je veux pas être le premier. Si on n'avait plus rien à se dire, et si je fais des détours dans le quartier. C'est fou ce qu'un crépuscule. Même jour, même heure, même port. On verra quand on aura
hommes, des grands hommes. Puisque Francis Cabrel est avec nous. Bonjour. Vous venez de... Vous venez de remporter le concours de Sud Radio avec ce titre qui laisse présager une future belle carrière. Pouvez-vous nous en dire plus? C'était une chanson d'amour, une chanson dédiée à ma femme Mariette. J'espère qu'un jour, tout le monde la chantera. Thank you.
Ne pleure plus, Yasmina. Je te promets qu'ils vont arrêter. T'as bien vu qu'ils s'en prennent à tout le monde. Moi, c'est mes cheveux. Toi, c'est ta couleur de peau. Et Kevin, c'est parce qu'il est trop rond. Je te promets qu'ils vont arrêter. Et puis, on ne sera jamais des standards, des moutons. Nos différences, c'est l'importance. T'en auras 62.
chérie, 64. Mais tu resteras toujours ma fanette, ma fifi, ma papa, qui aime plus que tout son petit papounet. Oui, si tu veux, oui. Sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui les arde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Piquer chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc. Et les Mistral gagnants. Marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Sauter dans les plats pour la faire aller, essayer nos godasses et se marrer. Entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars dansant et les cocoboères. Et les vrais roudoudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Allô ? Bienvenue sur TV du cœur, c'est que du bonheur. Là non, parce que je suis monsieur mauvaise nouvelle, monsieur qui affirme et voit rien de concret, monsieur qui gagne de l'argent à la télé. J'en peux plus. Je dis stop. Mais sur le terrain, c'est ça que j'ai dans la peau. Reporter sans frontières, pour qu'on puisse au moins rêver d'un autre monde. Thank you.
participation. Le collège Paul Langevin de Ville-la-Ville.
c'est à eux. Et sans oublier, bien sûr, le maître de cérémonie, Sébastien Chatelain. Donné par ses enfants.
quand on pense que ce sont des enfants qui font des collectes pour des personnes en difficulté, ou ce sont des enfants qui chantent aussi pour les personnes en difficulté et qui ont bien besoin quelquefois d'avoir un peu chaud au cœur quand malheureusement ils n'ont pas de personnes qui chantent autour d'eux. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Les enfants, félicitations. Vous avez fait un spectacle merveilleux. Félicitations aussi à tous vos professeurs, parce que je crois que c'est... Enfin, pour nous, c'est une première. C'est la première fois que je vois ça dans le département. Et donc, on a aussi beaucoup de félicitations à donner à les personnes qui entourent. Voilà, félicitations, merci, merci pour les Restos du Cœur, c'est très gentil à vous d'avoir pensé à nous. Voilà. Je vais aller qu'on me laisse.
chaud. On vous en propose juste une petite pour juste avant d'aller se coucher. See you.